Il n'empêche que cette archive, cette activité d'archiviste, que ce soit aux cliniques Saint-Luc ou aux archives de l'université, a toujours été doublée par une activité d'historien, une activité qui était à la fois une activité d'enseignement et une activité de recherche, ou plus exactement, qui a toujours été une activité de recherche et finalement d'enseignement. Alors, quand j'ai eu terminé ma thèse, dans cette culture ancienne où on n'écrivait pas avant d'avoir terminé sa thèse, eh bien, j'étais enfin libre d'écrire, et là, je dois dire toute la reconnaissance que j'ai pour Herman van der Wee et pour le professeur van der Woude de l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Parce que dans la mesure où ma thèse évoquait clairement les bénéfices de la proto-industrialisation, ils m'ont demandé, en préparation à un rapport général sur la proto-industrialisation qui devait avoir lieu au congrès de 1982, congrès international d'histoire économique, une espèce de grand messe qui avait lieu tous les 4 ans, à Budapest, de publier, enfin, d'écrire un texte sur cette situation du pays d'Hervé. Alors, j'ai écrit ce texte, j'ai même eu la chance de pouvoir le résumer en 5 minutes en séance plénière à Budapest avec juste en face de moi Fernand Braudel quelques mois avant sa mort, et Fernand Braudel qui demandait à quelqu'un: mais qui est-ce? J'entendais suffisamment, parce que je ne sais pas si lui-même était légèrement dur d'oreille à la fin de sa vie, mais il parlait relativement haut. Et alors, c'est de ce texte aussi qu'est sorti, pratiquement au même moment que la publication de ma thèse, qu'est sorti mon premier article vraiment important. Alors, c'est un article que je n'ai pas proposé, mais qu'on a proposé à ma place pour publication dans la revue Les Annales. Économie, société, civilisation. Alors, il faut bien situer la chose. J'avais à ce moment-là 32 ans, j'avais ma thèse, mais je n'avais strictement rien fait d'autre et je n'avais aucune fonction académique ou scientifique reconnue. Et Les Annales représentaient à peu près le sommet de l'Himalaya pour les historiens de l'époque, du moins en matière d'histoire économique et sociale. Et je reçois un jour un courrier. À l'époque, il n'y avait pas encore de courriel. Les réseaux ne fonctionnaient pas du tout comme à l'heure actuelle. Je reçois un courrier me disant: écoutez, nous avons eu connaissance de votre texte, nous souhaiterions le publier dans Les Annales. Ah ! Évidemment, je me suis d'abord assis. Et puis, c'est une proposition qui ne se refuse pas. En fait, j'ai appris plus tard que van der Wee et van der Woude avaient proposé eux-mêmes à la direction des Annales de publier ce texte. Ça ne signifie pas qu'il n'y avait pas de procédure d'évaluation ultérieure, mais ce n'était pas formalisé comme ça le deviendra ultérieurement. Donc, cette publication, pour moi, a été vraiment d'abord une divine surprise, et puis aussi un encouragement à poursuivre un certain nombre d'activités, à développer, à élargir éventuellement mes centres d'intérêt. Et de ce point de vue, je dois de nouveau souligner l'importance des contacts.
Comme toujours dans les congrès internationaux, au congrès de Budapest, il y avait une série d'excursions ou d'activités non académiques qui étaient prévues. Et je m'étais inscrit pour une excursion dans la Puszta hongroise, la grande plaine hongroise. Et il se fait que je me trouve dans une carriole tirée par deux chevaux et enveloppée dans des couvertures qui sentaient aussi le cheval, avec trois collègues, une que je connaissais un petit peu, Marie-Jeanne Tizdued, qui était assistante au Collège de France auprès d'Emmanuel Leroy Ladurie, deux que je ne connaissais pas réellement, qui étaient Micheline Bolland, ingénieure de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, et Anton Skuurman, qui était chercheur à l'Université agricole de Wageningen. Or, Skuurman et Bolland travaillaient beaucoup sur les inventaires après décès. Il y avait déjà eu une série de publications, donc on commence à parler de ce genre de choses de manière tout à fait informelle. Mais à la fin de la journée, on avait le schéma d'un séminaire que nous pouvions proposer pour le congrès de 1986 à Berne. Et ce congrès a naturellement été quelque chose de tout à fait important parce que, je vais y revenir un peu plus tard, j'espérais toujours revenir à l'université. Pour moi, dans une logique qui était peut-être plus liée à une certaine flexibilité nord-américaine, le fait d'être devenu archiviste des cliniques, c'est-à-dire d'avoir un poste administratif, ne signifiait pas que je renonçais à une carrière ultérieure à l'université ou une carrière ultérieure de chercheur. C'était très mal connaître le landerneau belge parce que en Europe, cette flexibilité n'existait pas. J'avais quitté l'université et donc, pour y revenir, c'était la croix et la bannière. J'ai continué paisiblement, si je puis dire, à avoir cette activité, mais cette rencontre avec Bolland et Skuurman a été vraiment quelque chose de tout à fait important parce que cela m'insérait encore un peu plus qu'avec le soutien de Van der Wey et Van der Woude dans une série de réseaux relativement importants. Ça me permettait de continuer à travailler, même si je ne pouvais plus obtenir de crédit de recherche. Et la participation au congrès de Berne a été importante en ce sens. D'abord, le séminaire a été un succès. Ensuite, toutes les contributions à ce séminaire ont pu être publiées, ont fait l'objet d'un volume collectif relativement important. Il y a eu un certain nombre de discussions, comme cela arrive parfois dans le milieu académique, pour savoir qui signerait l'introduction. Enfin, bref. Tout ça s'est finalement très très bien passé et le livre a reçu un bon accueil, s'insérant dans la succession d'un certain nombre d'ouvrages qui traitaient de cette thématique de la vie matérielle. Et j'ai eu l'occasion ultérieurement de continuer à travailler sur ces thématiques, notamment dans le contexte d'un projet d'histoire rurale comparative qui a donné lieu à une grosse série de publications chez Brepols. Et de nouveau, là, les rencontres ont été tout à fait déterminantes et parfois très surprenantes. Mais là aussi, j'y reviendrai peut-être plus tard, parce que je crois que c'est pas insignifiant de me dire à quel point je souhaitais revenir à l'université.
Et donc, entre la soutenance de ma thèse et mon retour très partiel et sur un siège éjectable à l'université, j'ai quand même accompli toute une série de formalités. J'étais déjà parti en 1977 au Brésil pour une tournée des universités. Je n'avais pas encore ma thèse, mais je souhaitais savoir si c'était envisageable. Et là, j'ai pu aller vraiment du sud du Brésil, la Pelotas et Porto Alegre, jusqu'à Bahia de Todos os Santos, avec des contacts dans les universités. Beaucoup de Brésiliens avaient fait leurs études à Leuven, et donc il y avait un réseau d'anciens qui était relativement important. Ça n'a pas débouché sur grand-chose. Il faut dire que le Brésil était en pleine dictature militaire jusqu'en 1984. Donc, ce n'était pas nécessairement le meilleur moment pour envisager un départ. Mais une fois la thèse en main, j'étais en quelque sorte légitime pour poser un certain nombre de candidatures. Alors, j'ai d'abord posé des candidatures sur place. À un mandat de chercheur qualifié ou de chargé de recherche du FNRS ou l'équivalent d'un postdoc. Et j'ai posé cette candidature à trois reprises et en étant chaque fois rejeté. Alors, c'était naturellement très problématique parce que je trouvais que le projet n'était pas mal. J'étais soutenu par deux bonzes de l'histoire économique moderne, Emmanuel Leroy-Ladurie d'un côté et Pierre Goubert de l'autre. Donc c'était des recommandations qui n'étaient pas des recommandations insignifiantes. Mais il se fait que mon directeur de thèse, le professeur Ruet, était mort l'année qui a suivi ma défense, reconnaissant que les mauvaises langues ont toujours prétendu que c'était ma thèse qu'il avait achevée. Mais il n'empêche que pour quelqu'un comme moi, qui n'avait aucune expérience de la dynamique et du fonctionnement de l'université, bien, ça signifiait que je n'avais plus personne pour me guider dans l'université. Et même si le professeur Ruet avait survécu, avait pu continuer à me guider, il s'était brouillé avec le recteur de l'époque, Monseigneur Massot, et donc avait renoncé à sa charge de bibliothécaire en chef de l'université et se retrouvait avec beaucoup moins de leviers d'action au niveau de l'institution. Mais enfin, de toute façon, il n'était plus là pour m'éclairer, pour me guider, pour me soutenir. Et bon, je me suis trouvé là bien démuni en 82, au point que j'ai jugé que je devais quand même aller m'expliquer auprès des deux soutiens parisiens qui m'avaient constamment épaulé pendant ces démarches. Alors j'ai vu Goubert, qui était tout à fait charmant, qui était vraiment bon, bienveillant. C'est quelque chose qui me frappe chez un certain nombre de ces grands hommes. Ce sont très souvent des gens bienveillants. Donc, ça s'est bien passé avec Goubert le matin. J'avais rendez-vous l'après-midi avec le roi Ladurie. Et donc, là aussi, ça se passe très très bien. En fait, le roi Ladurie est quelqu'un d'extrêmement timide. Et ça s'est passé le mieux du monde possible, je pense. Et du coup, il pose la question de mes projets. Je lui dis, ben écoutez, je vais commencer à poser une série de candidatures à l'extérieur de la Belgique. Je pense qu'il y a des postes qui se libèrent à différents endroits. Il me regarde, il me dit, mais vous êtes prêt à partir n'importe où? Ah, je dis oui, n'importe où. Bien écoutez, il y a un poste qui se libère en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, à l'université de Sydney, et ils m'ont demandé de leur faire des propositions de candidats.
si vous voulez, on peut aller au Collège de France cette nuit, on leur téléphone et je vous recommande. Allez, je sais que vous allez dîner chez mon assistante, Madame Titz. Revenez après le dîner, vous dormirez quelques heures dans la chambre de ma fille, Dieu merci, elle n'était pas là, et à 2h du matin, on part au Collège de France. Et donc, un de mes souvenirs, ça n'a strictement rien d'académique, mais humain, c'est cette traversée de Paris dans la nuit vers le Collège de France avec le roi Ladurie. Donc c'était vraiment très, très, très surprenant, mais ça reste un de mes souvenirs marquants. Alors, il faut dire que, au bout du compte, j'ai effectivement posé ma candidature, ça n'a rien donné, mais on était en fait, sans que je m'en rende vraiment compte, entré dans une période qui était nettement moins favorable. Bon, l'idée de partir à l'autre bout du monde m'était venue parce que dans les années 60 et 70, on avait toute une série de collègues qui avaient fait leur carrière à l'étranger. Je pense à Hubert Watley, par exemple, qui avait fait sa carrière, qui a fait sa carrière à l'Université d'Ottawa et qui y est toujours. Mais d'autres collègues se retrouvaient dans bon nombre d'universités de par le monde, donc ça paraissait logique. Sauf que cela, ce sont des choix qui étaient possibles dans une période d'expansion universitaire, et qu'à partir de 1973 et de la première crise du pétrole, encore renforcée par le deuxième choc pétrolier de 1979, un certain nombre de barrières se sont petit à petit dressées. Avec cette clause présente dans presque toutes les vacances de poste, la préférence nationale. Et donc, je me suis retrouvé avec des candidatures à l'Université de Vancouver, à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Fribourg, à l'Université de Genève. Je crois que j'en passe et des meilleurs. Et donc, chaque fois, ce dossier était bien reçu, mais voilà, nous avions un candidat qui a été préféré par la commission, patati patata. Donc, c'était relativement décevant. La seule chose qui était plutôt encourageante, c'est la candidature que j'ai posée à l'Université de Genève. Il faut dire que c'était idiot, c'était en 84, j'étais un gamin, j'avais 34 ans, j'avais rien encore comme dossier vraiment solide, et le poste qui était ouvert était un poste de professeur ordinaire au département d'histoire économique et sociale. Et j'ai appris plus tard que la commission m'avait classé en deuxième position, mais derrière un personnage qui était incontestable, c'était Franklin Mendels, l'auteur du concept de proto-industrialisation, qui avait évidemment un dossier tout à fait unique. Donc, j'ai appris cela au congrès de Berne, quand j'ai eu la surprise de voir au premier rang du séminaire que nous animions avec Micheline Bolland et Anton Schurman, tous les membres du département d'histoire économique de Genève, qui voulaient témoigner de ce que, apparemment, je n'avais pas complètement démérité dans cette candidature. Mais 84 et 85 ont aussi été des années charnières pour Louvain, d'une certaine façon. En fait, il se fait que j'ai croisé des personnes qui connaissaient très bien Monseigneur Massot, le recteur de l'université. On a inévitablement parlé de ce que je faisais, de ce que j'avais envie de faire, etc. Et une de ces personnes m'a dit « Mais pourquoi vous n'en parlez pas au recteur ?» Alors je dis « Mais j'ai essayé d'atteindre le recteur. » Mais elle avait une secrétaire qui était plutôt du genre dragon, qui filtrait soigneusement
les rendez-vous possibles, jamais réussi à obtenir un rendez-vous. Ne vous en faites pas, je vais téléphoner au recteur, vous allez pouvoir vous expliquer avec lui. Alors, j'ai eu dans la semaine un rendez-vous avec le recteur, Monseigneur Massot. Je vous parlais tout à l'heure du sanglier des Ardennes. Alors, la première partie de cette rencontre a été un tonnerre particulièrement enragé. Donc, Monseigneur Massot m'a fusillé, si je puis dire. Et puis, l'orage s'est calmé et il m'a dit « Bon, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Alors, je lui ai expliqué un peu ma situation. C'est la première fois que je réussissais à lui expliquer un petit peu ma situation, les démarches que j'avais déjà faites, etc. Et le résultat de cela, ça a été que, en septembre, j'étais nommé chargé de cour invité. Alors, j'étais très heureux de cette nomination. Mais en fait, je ne la comprenais absolument pas. Bon, chargé de cour invité, ça faisait de moi un académique. Ça me permettait de poser des projets de recherche auprès du FNRS. Donc ça, c'était bien. Mais cette position de chargé de cour invité, c'était en fait une position éminemment éjectable. C'est-à-dire que si le cours qui m'était attribué était supprimé pour une raison ou pour une autre, c'en était terminé. Cette première fonction de chargé de cours, je la tenais à titre gracieux. Autrement dit, sans rémunération. Ce n'est que l'année suivante qu'on m'a attribué un autre cours qui, lui, était rémunéré. Et on en a profité pour me donner un autre séminaire, donc j'avais trois cours à ce moment-là, qui étaient plus ou moins rémunérés, hein, rémunérés à l'heure, comme on dit à l'heure actuelle. Donc, disons que j'étais tout à la joie de revenir à l'université, mais sans me rendre compte que c'était sur une position extrêmement fragile et extrêmement périphérique. Or, je l'ai pris quand même très très au sérieux. J'ai été très bien accueilli par la plupart des membres du département d'histoire, par d'autres un peu moins, mais un de ceux qui m'a le mieux et le plus accueilli, ça a été Jean Pirotte. Jean Pirotte a vraiment été pour moi un guide dans une série de démarches et il m'a soutenu également dans une série de candidatures pour assurer des cours. Il se fait qu'à cette époque, j'aurais pu m'inscrire dans une unité de temps moderne, mais le responsable de cette unité ne souhaitait pas vraiment que je vienne renforcer les rangs des modernistes, et donc il lui-même m'a conseillé de m'inscrire en histoire contemporaine, et Jean Pirotte en était le responsable. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'un certain nombre d'éléments ultérieurs se sont mis en place.